Bonjour, c'est Dr. Demen de Pire. Donc, on va commencer aujourd'hui. On a deux cours ensemble, conduite à tenir devant un ictère et conduite à tenir devant une ascite. Donc, vous entendez? Vous n'entendez pas? Attendez. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous arrivez à m'entendre correctement? Oui. Je veux un oui. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Un peu. Maintenant, ça va mieux? Le micro est accolé à ma bouche. Le son se coupe. Alors, donc on va commencer. Et maintenant, est-ce que vous m'entendez mieux? Est-ce qu'il se coupe? Pas de son? Est-ce qu'il y a le son maintenant? Alors, est-ce que vous m'écoutez? Vous arrivez à m'entendre plutôt? Est-ce qu'il y a le son? Non, non, pas de son. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez maintenant? Un petit oui. Très bien, très bien. Merci. Ah, merci. Très bien, on va commencer. Alors, bon. Donc, conduite à tenir devant un ictère. Alors, en introduction, on dira que ictère, c'est une coloration jaune des téguments et des muqueuses en rapport avec une augmentation du taux de bilirubine dans le sang. Alors, sur le plan biologique, donc, les bilirubines totales, donc normalement, on part d'un ictère à partir de 11 mg par litre ou 20 micromoles. Normalement, c'est entre 5 et 20. D'accord? Donc, ça commence déjà un subictère à partir de à peu près jusqu'à 15, entre 9 et 15. À 15, au-delà de 15, et lorsque ça dépasse les, ça arrive à 29 ictères francs. D'accord? Donc, ictère en rapport avec une augmentation du taux de bilirubine dans le sang. Normalement, la bilirubine inférieure à 11 mg.
15, à partir de 15 jusqu'à à peu près 29, nous parlons d'un subictère. C'est-à-dire ictère, subictère, c'est-à-dire ça se voit qu'au niveau des muqueuses. Ictère franc, c'est supérieur à 29 mg par litre ou 50 micromol. Donc, vous retenez les chiffres 11 ou alors en micromol, c'est mieux. 20, à partir de 50, nous avons un ictère franc. Alors, sur le plan classification éthiopathogénique, donc soit nous avons un ictère à bilirubine conjugué, c'est-à-dire plus de 80% de la totale, soit bilirubine non conjugué, c'est-à-dire libre, 70%, lorsque c'est 70% qui est libre, et nous avons les ictères à bilirubine mixte. Alors, il y a un petit problème, on va essayer de les régler. Alors, c'est un motif très fréquent de la consultation. Le diagnostic positif, il est facile. Il suffit de voir le malade lorsqu'il entre. Vous le voyez. Déjà, vous avez un diagnostic d'ictère. D'accord? Bien sûr, à confirmer, bien sûr, par le taux de bilirubine. Par contre, le diagnostic étiologique, il est plus difficile. Et ça demande beaucoup d'examens complémentaires pour y arriver. Et la bilirubine, ces dernières années, elle a révolutionné la prise en charge parce que nous donne le diagnostic, elle arrive à donner le diagnostic et même elle a dépassé la CPRE. Vous vous rappelez la CPRE, hier on avait parlé CPRE diagnostic, elle est dépassée par la bilirubine. Et bien sûr, le pronostic, il dépend de l'étiologie. Alors, sur le plan physiopathologique, on a un problème. Attendez, on va s'arrêter une minute ou deux. On a repris. Attendez. Vous m'entendez? C'est bon, on a repris le cours. C'est bon? Un petit OK. Très bien, merci. Alors, sur le plan physiopathologique. Attendez. Alors, comme je vous ai dit, le diagnostic positif, il est facile. Il suffit de voir le visage du malade. Par contre, toute la difficulté, c'est de savoir d'où vient cet ictère. Donc, c'est l'étiologie qui sont difficiles et ça demande de grandes enquêtes et beaucoup d'examens complémentaires. Et ces dernières années, la bilirubine, elle nous a beaucoup facilité la tâche. Maintenant, le pronostic, comme je vous ai dit, ça dépend de l'étiologie. Donc, ça peut être une étiologie, un pronostic sévère, si c'est un cancer du pancréas qui comprime les voies biliaires ou si c'est une hépatite A aiguë, le diagnostic, il est bénin. Alors, sur le plan physiopathologique, donc on va faire un tout petit rappel, rapidement un rappel, sur le métabolisme de la bilirubine, de la production de la bilirubine, la captation par le foie, la conjugaison au niveau du foie par la glucuronyltransférase et l'élimination par le rein. Là, je vous résume tout ça dans ce schéma. Vous savez que les globules rouges, ils ont une durée de vie de 3 mois. Au bout de 120 jours, elles sont détruites. Il y a une hémolyse. L'hémolyse, elle va, donc les globules rouges, contient de l'hémoglobine, donc l'hème et la l'globine. Globine va donner des acides aminés, alors que l'hème va nous donner de la bilirubine libre. Libre, c'est-à-dire qui n'est pas conjuguée, qui est toxique. Il lui faut un transporteur. Elle va être transportée jusqu'au niveau du foie. Et là, nous avons regardé le curseur. Nous avons une enzyme, la glucuronyltransférase, qui va la transformer, la conjuguer. La conjuguer pour qu'elle soit une bilirubine conjuguée. Conjuguée qui n'est pas toxique. D'accord? Donc, elle va être éliminée, donc ça va être un des constituants de la bilirubine, ça sera l'un des constituants de la bile, elle va être éliminée dans la bile, elle va aller regarder, vous voyez la flèche, éliminée au niveau de D2, donc au niveau de D2. Là, ce pigment, ça va donner le stercobilinogène,
spermobilinogène qui va donner la coloration normale des matières fécales et une partie va être absorbée et elle va être éliminée par voie rénale. C'est l'urobilinogène, l'urobiline, d'accord? C'est elle qui va donner la coloration normale des urines. Ça va jusque-là. Très bien. Donc, vous connaissez tous cette physiologie. Très bien. Alors, regardez. Alors, on va commencer le diagnostic positif. Diagnostic positif. Je vous ai dit, les cas, des fois, sont faciles. C'est un diagnostic visuel. Vous voyez le malade et vous voyez un ictère franc, cutané ou muqueux, d'accord? Ou alors, vous voyez les conjonctives. Vous arrivez à voir les conjonctives, elles sont jaunes. Donc là, en cas de cholestase, nous avons d'autres signes. C'est les urines qui sont foncées et les selles décolorées. Très bien. Maintenant, diagnostic plus difficile lorsque l'ictère, il est discret. C'est discret, même pas au niveau des... C'est-à-dire ça n'apparaît pas au niveau cutané et au niveau des conjonctives... C'est très discret. On n'arrive pas à trancher. Et surtout si le malade, il a en plus une pâleur cutanomuqueuse. Donc, un ictère discret ou alors un ictère associé à une pâleur. Ça, on la voit surtout chez les anémies, les malades qui ont des anémies hémolytiques. En même temps, ils ont la pâleur de leur anémie. Et en plus, ils ont l'ictère. D'accord? Alors, maintenant, certaines ethnies. Alors, par exemple, les Asiatiques. Déjà, Aslan, les Asiatiques, ils ont une peau qui vire vers le jaune. D'accord? Donc, c'est plus difficile. Là, c'est les conjonctives qui vont nous aider. Parce que leur conjonctive, elle est blanche normalement. Et s'il y a un ictère, elle va devenir jaune. Aussi, la race noire, donc c'est difficile de poser le diagnostic. C'est pour cela, chez ces malades-là, c'est un examen à la lumière du jour pour voir bien les conjonctives. Et le dernier mot revient toujours au dosage de la bilirubine. Soit elle est augmentée, soit elle est normale. Maintenant, diagnostic différentiel. Qu'est-ce qui n'est pas un ictère? D'abord, comme je vous ai dit, la pâleur jaunâtre, la pâleur extrême, donc chez certains malades, surtout les anémies hémolytiques, donc ça peut prêter à confusion. Par contre, vous voyez la conjonctive ici, elles sont normales. La peau, elle est pâle, mais les conjonctives, elles sont blanches, elles ne sont pas jaunes. Alors, l'hypercaroténémie, ça, c'est certains médicaments. Par exemple, pour le bronzage. Les bronzages, ils peuvent entraîner comme effet secondaire. L'insuffisance rénale, vous avez vu le teint grisâtre des malades qui ont une insuffisance rénale. Donc, ça peut prêter à confusion. L'hypothyroïdie aussi, elle donne un teint particulier. Donc, rappelez-vous, surtout le diagnostic différentiel, c'est surtout dans la pâleur extrême, mais surtout l'insuffisance, c'est-à-dire les pathologies qu'on voit le plus, c'est l'insuffisance rénale et l'hypothyroïdie. Combien de malades sont venus consulter pour un ictère et lorsqu'on fait le bilan, c'est simplement une hypothyroïdie. OK? Donc, le pseudo-ictère picrique, c'est l'acide picrique, c'est un acide qu'on utilise dans certains laboratoires. Si quelqu'un veut se suicider en ingérant une grande quantité d'acide picrique, eh ben, il va avoir un ton jaunâtre, c'est tout. D'accord? Aussi, maintenant, la coloration jaunâtre de certains médicaments, la rifampicine. La rifampicine, vous le connaissez, la rifampicine, c'est l'antibiotique qu'on donne pour le traitement de la tuberculose. Eh bien, on prévient les malades, déjà les urines, elles deviennent un peu orangées. Donc, s'il y a une grande consommation ou certains malades, ils vont avoir un subictère. Aussi, la fluorocéine. Très bien. Maintenant, l'enquête étiologique. Vous allez voir que l'enquête, elle est ouverte et elle est très longue. Déjà, on commence par le terrain, l'âge. L'âge. Un sujet jeune, ce sera plutôt une anémie hémolytique. Un sujet âgé, on va plutôt s'orienter vers un cancer. Le sexe. Il y a les pathologies auto-immunes. Vous vous rappelez les pathologies auto-immunes biliaires? On avait fait la cirrhose biliaire primitive, CBP. La CBP, c'est plutôt la femme, la ménopause. Par contre, la cholangite sclérosante primitive, c'est plutôt l'homme. D'accord? Alors, il y a des professions exposées. Professions, par exemple, les hépatites virales. Les hépatites virales, là, alors, c'est le milieu médical. Milieu médical, donc on est plus exposé à cette pathologie. L'habitude de vie, est-ce qu'il consomme de l'alcool? Vous savez que l'alcool, il est hépatotoxique. Alors les médicaments, il y a des médicaments hépatotoxiques et hépatotoxiques. D'accord? Le comptage viral, très important. Est-ce qu'il y a eu des comportements à risque? Maintenant, les antécédents. Mes antécédents médicaux, on va commencer, est-ce que l'ictère, il est chronique ou c'est un ictère aigu? Est-ce qu'il y a des antécédents de lithiase biliaire? Est-ce que le malade, il a un diabète récent? Très important, un diabète récent. Vous savez, bon, on ne va pas entrer dans les détails. Un malade, la cinquantaine, il fait un ictère et qui vient vous voir, il a un diabète récent ou alors un diabète ancien, mais déséquilibré, actuellement déséquilibré. Donc, je vous dis, un homme, la cinquantaine, il présente un ictère.
Et dans ses antécédents, vous trouvez qu'il est soit il a un diabète, qui actuellement il est déséquilibré, soit un diabète récent. La première étiologie que vous devez penser, c'est le néo de la tête du pancréas. Homme, la cinquantaine, un ictère plus un diabète, soit récent, soit déséquilibré, c'est un cancer de la tête du pancréas, je serai preuve du contraire. D'accord? Très bien. Aussi, on demande, est-ce qu'il y a une notion d'hémorragie digestive? Est-ce qu'il y a des hémopathies dans la famille ou chez le malade? Est-ce qu'il y a des pathologies pancréatiques? Par exemple, s'il fait des pancréatites chroniques, il y a un risque de pancréas du pancréas. Alors maintenant, les chirurgicaux, est-ce qu'il y a eu intervention récente sur les voies biliaires? Je me rappelle une malade qui était venue pour exploration des nictères. Lorsqu'on lui pose des questions, elle a été opérée il y a un mois pour une lithiase de la voie biliaire. Eh bien, les chirurgiens, ils ont fermé, ils ont ligaturé la voie biliaire principale, tout simplement. Donc, c'est très important de demander, est-ce qu'il y a eu des interventions sur le foie ou les voies biliaires? Alors, gynéco-obstétrique, est-ce qu'il y a eu ictère pendant la grossesse? Donc, il y a des pathologies ou des ictères qui n'apparaissent qu'au cours de la grossesse. Maintenant, familiaux, est-ce qu'il y a des notions de ictère dans la famille, de diabète, ictère gestationnel, hépatopathie, hémopathie, d'accord? Tout le contexte, familial, ça nous oriente vers l'étiologie. Alors maintenant, le caractère, on va se consacrer sur notre ictère. D'abord, est-ce que avant l'apparition de l'ictère, est-ce qu'il y a eu un syndrome pseudo-grippal, ce qu'on appelle les prodromes avant, d'accord, qui sont faits d'asthénie, triade de Caroli, c'est-à-dire des céphalées, urticaire, arthralgie, d'accord? Alors tout cela, ça va nous orienter vers une hépatite aiguë. Avant l'installation de l'ictère, s'il y a eu des signes, un syndrome pseudo-grippal, ça nous oriente vers une hépatite aiguë, surtout l'hépatite post-virale A. D'accord? Normalement, vous devez faire ça en infectieux et aussi au cours des hépatites. Alors, l'ancienneté, c'est très important. Est-ce que cet ictère, il est ancien, qui remonte à l'enfance? S'il remonte à l'enfance, ça veut dire que c'est un problème purement métabolique. Le mot de début, les circonstances d'apparition, est-ce que l'apparition continue ou alors il disparaît pendant il est intermittent? Très important. Alors, maintenant, on va voir les signes accompagnateurs. Les signes accompagnateurs, nous avons les signes digestifs. Maintenant, un ictère, on cherche, est-ce que c'est un ictère cholestatique? Donc, quels sont les signes de la cholestase? Vous les connaissez, c'est les urines foncées, regardez, normal, regardez, vous voyez le curseur, urine normale, urine foncée, et les selles décolorées. Les selles décolorées, normalement décolorées jusqu'à devenir blanc mastic. Vous voyez le mastic qu'on met pour les vitres? Blanc mastic. OK, plus le prurite, un prurite. Donc, voici les trois signes de la cholestase. Le prurite, les selles foncées et les selles décolorées et les urines foncées. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Alors, est-ce qu'il y a un problème? Bon, c'est des questions qui ne me concernent pas apparemment. Très bien. Très bien. Toujours les signes accompagnateurs. Donc, on a vu l'ictère, est-ce que c'est ictère en faveur de la cholestase ou non? Maintenant, est-ce qu'il y a des douleurs abdominales? Et les douleurs de quel type? Est-ce que des douleurs de type biliaire ou des douleurs de type pancréatique? Vous connaissez maintenant la différence entre la douleur biliaire et pancréatique. La douleur biliaire, c'est plutôt l'hypochondre droit qui est ascension postérieure en bretelle, d'accord? Donc, associée à des nausées et vomissements qui est déclenchée par un repas gras et elle est soulagée par la prise d'antispasmodique. Par contre, la douleur pancréatique, souvent elle est postprandiale, déclenchée par l'alimentation, elle est transfixiante, intense, épigastrique, en barre l'hypochondre droit et gauche, et vous connaissez la position antalgique, c'est la position en chien de fusil. D'accord? Maintenant, est-ce qu'il y a des diarrhées chroniques, surtout les ictères chroniques? Diarrhée stéatorée, ça veut dire qu'il y a une malabsorption chronique. Est-ce qu'il y a une hémorragie digestive? Maintenant, les signes extra-digestifs, est-ce qu'il y a un amaigrissement, l'asthénie, l'anorexie, est-ce qu'il y a des manifestations auto-immunes et le diabète? D'accord? Très bien. On a terminé par l'interrogatoire. Maintenant, l'examen clinique proprement dit. Donc, déjà, l'état général. Est-ce que l'état général, il est conservé? Le faciès, comment il est? L'état de conscience. Est-ce qu'il y a une fièvre? Parce que l'ictère fébrile n'est pas comme un ictère sans fièvre. Alors, maintenant, l'examen de l'abdomen. Le foie. On va examiner le foie. Alors, est-ce qu'il y a le foie de cholestase, plutôt, il est mou, il est sensible, il est régulier. Par contre, lorsque nous avons un foie tumoral, alors soit il est primitif, soit il est secondaire, c'est des métastases, là, le foie, il est dur, on dit une dureté pierreuse, c'est comme de la pierre. Lorsqu'on, nous avons un foie tumoral, lorsqu'on le palpe, il est dur,
D'accord? Par contre, pour le foie, lorsqu'il y a des métastases au niveau du foie, comme c'est des métastases, c'est des petits nodules, donc on dit un foie marronné, c'est-à-dire qu'on palpe ces nodules-là. Alors, le foie au cours de la cirrhose, vous savez qu'il est ferme. Donc, s'il y a une hépatomégalie, ferme, à bord inférieur, tranchant. S'il y a maintenant un kystidatique, ça va donner d'abord une voussure. Et lorsqu'on le percute, il est rénitent, d'accord? Le bombement en verre de Mantrier, il est bombé, d'accord? Très bien. Alors, on cherche aussi les signes d'hypertension portale, maintenant vous les connaissez. Splénomégalie, CVC, ici il y a une complication qui est l'ascite. On recherche les signes d'insuffisance hépatocellulaire, les engins stellaires, les rétroses palmaires, l'hypocratisme digital. Et aussi, il faut toujours une masse. Est-ce qu'il y a une masse abdominale? Est-ce qu'il y a une grosse vésicule? Est-ce que le signe de Murphy, il est positif? Le toucher rectal, très important pour voir s'il n'y a pas une masse rectale. Donc, vous voyez que l'examen, il est très, très large, très ouvert. Complété par l'examen lymphoganglionnaire, rechercher des adénopathies ou le ganglion de Troisy, c'est-à-dire susclaviculaire, néoplasique, un examen neurologique surtout à la recherche de signes d'encéphalopathie hépatique. Là, on a terminé avec les examens cliniques. Maintenant, les examens paracliniques. Alors, il y a beaucoup, on va voir les étiologies, c'est une liste d'étiologies qui peuvent donner un ictère. Donc, on va orienter nos examens complémentaires. On va commencer par les examens de première intention. On doit les faire à tous les malades. Alors, la première intention, d'abord, déjà, on affine le taux de bilirubine. Ça, on est d'accord. On complète l'FNS. FNS, les globules blancs, pour voir est-ce qu'ils sont augmentés. Ça nous oriente plutôt, est-ce qu'il y a une angioclite ou un néo du foie. S'il y a une anémie, beaucoup d'étiologie. Est-ce que c'est une hémolyse? Est-ce que c'est un cancer? Est-ce que c'est la cirrhose ou un polype bactérien? Est-ce qu'il y a une hyper-éosinophilie? Ça va nous orienter vers une parasitose ou une hépatite médicamenteuse. Très bien. Il faut voir le taux de fer sérique. S'il y a une anémie, le taux de fer, le taux de réticulocyte. Le bilan hépatique complet à la recherche des quatre syndromes. Le syndrome de cholestase, le syndrome d'insuffisance hépatocellulaire, le syndrome de cytolyse et le syndrome inflammatoire. OK? Bilan hépatique complet. On complète, si on suspecte une pathologie pancréatique, amylasémie, amylasurie, le mieux c'est la lipasémie. L'hypasémie, elle est mieux que l'amylasémie, plus sensible. D'accord? Une glycémie, un bilan rénal et ionogramme sanguin. Donc ça, c'est un bilan de première intention. On le fait à tous les malades. Puis, on complète par quoi? Sur le plan morphologique, l'ASP. L'ASP, il est, pour moi, c'est pour les urgences. Mais peut-être des fois, il va nous montrer des calcifications. Je ne sais pas si vous avez fait la pancréatite chronique. Le diagnostic de la pancréatite chronique, il est fait grâce à l'ASP parce qu'il va nous trouver des petites calcifications au niveau de l'air pancréatique. D'accord? Donc, soit biliaire, soit au niveau biliaire, soit pancréatique, l'ASP. Sinon, le meilleur examen, c'est l'échographie abdominale. Qui dit ictère, on fait le dosage de la bilirubine pour voir quel type de bilirubine. Le deuxième examen, c'est l'échographie. C'est l'examen de référence, de première intention. D'abord, il n'est pas invasif. Déjà, il n'est pas cher par rapport au scanner. Il fait à peu près 200-300 000. Déjà, pour la bourse du malade, c'est mieux. Donc, non invasif. On peut le refaire deux à trois. On peut le répéter comme on veut. Il permet une analyse morphologique, une bonne analyse morphologique du foie, mais surtout des voies biliaires. Est-ce que les voies biliaires sont dilatées? On peut voir le pancréas, c'est plus ou moins. Le pancréas, l'échographe ne peut pas voir bien le pancréas parce que le pancréas, il est profond. Il y a les gaz intestinaux qui peuvent le cacher. D'accord? Donc, si on veut une bonne exploration du pancréas, c'est le scanner. Mais pour les voies biliaires, l'échographie, c'est un bon examen. Donc, les vaisseaux, les signes d'hypertension portale, est-ce qu'il y a un épanchement péritonéal, est-ce qu'il y a des adénopathies? Donc, je vous ai dit, le premier examen à faire, c'est l'échographie, c'est surtout pour voir les voies biliaires, est-ce qu'elles sont dilatées ou non dilatées. C'est tout ce que je demande à l'échographie. Bien sûr, si elle me donne des informations sur le foie, sur le pancréas, c'est très bien. Mais surtout, l'échographie, c'est les voies biliaires, comment elles sont, dilatées ou non dilatées. Maintenant, de deuxième intention, c'est-à-dire en fonction de notre interrogatoire, l'orientation, on est orienté. Maintenant, si on suspecte une pathologie plutôt hépatitique, c'est une hépatite, donc on a qu'à faire demander les sérologies virales, A, B, C et même HIV. Le bilan cuprique, le bilan martial, si on suspecte plutôt une cirrhose métabolique, c'est-à-dire une surcharge en cuivre ou alors une surcharge en fer. Le dosage d'alpha-antitrypsine, là, je vous ai dit, c'est plus les enfants. Le bilan d'auto-immunité, vous rappelez les anticorps, anti-mitochondries pour la cirrhose biliaire primitive et les anti-misclolyses pour l'hépatite auto-immune. Maintenant, si on suspecte une pathologie hématologique, le frottis sanguin, même la ponction biopsie osseuse et l'électrophorèse de l'hémoglobine. Alors,
je termine l'enquête étiologique et je répondrai à vos questions. Maintenant, sur le plan morphologique, maintenant, si on suspecte une cirrhose, là, il faut faire une fibroscopie à la recherche des signes de varices, des signes d'HTP. Maintenant, si on suspecte une masse abdominale pancréatique, l'endoscopie, c'est le plus performant, c'est mieux que l'échographie et la TDM. Maintenant, la TDM et la bilirubine, on les demande donc en fonction de notre orientation. Si on suspecte un problème pancréatique, la TDM. La bilirubine, c'est une meilleure exploration des voies biliaires, d'accord ? Moins invasive que la CPRE. D'accord. Maintenant, la CPR aussi, on a un geste thérapeutique, c'est-à-dire si c'est un calcul qui bouche les voies biliaires et on veut retirer le calcul, donc on peut faire la sphinctérotomie. La PBF, si on suspecte une pathologie purement hépatique. Si maintenant on ne trouve aucune étiologie, on peut demander la laparoscopie, ou alors la célioscopie. Bon, on va répondre à quelques questions. Alors, pourquoi la PBO? Non, la PBO, si c'est un problème purement hématologique. Ça, c'est pour les hématologues. On va voir les étiologies. D'accord? Le syndrome myéloproliopathologie hématologique? Oui, c'est ça. Si on suspecte une pathologie maligne. Exactement. Alors, jusque-là, ça va? Il n'y a pas de question? Très bien. L'intérêt de l'amylasémie. L'amylasémie, il n'y a pas que l'amylasémie. On fait la malamylasémie, la lipasémie et l'amylasurie. C'est lorsqu'on suspecte un problème pancréatique, c'est-à-dire soit une pancréatite aiguë, surtout la pancréatite aiguë. D'accord ? Les facteurs sédatifs, c'est les antispasmodiques. Les médicaments que je vous ai donnés hier pour les troubles fonctionnels, les antispasmodiques. OK ? Très bien. Alors, maintenant, on va, notre loup, le vif du sujet, les étiologies. Alors, les étiologies, ça va être très large. Donc, et chaque, normalement, chaque titre a nous un cours. OK? Très bien. On va commencer par l'ictère. Je vous ai dit, c'est en fonction de la bilirubine. Donc, ictère à bilirubine libre, c'est-à-dire non conjuguée, et ictère à bilirubine conjuguée. On va commencer par l'ictère à bilirubine non conjuguée. Alors, soit il y a un déficit de la conjugaison, soit il y a une hémolyse. Alors, l'essentiel, ce que vous retenez, lorsque l'ictère il est à bilirubine libre, cliniquement, les selles sont normalement colorées. Les selles ne sont pas décolorées. Et le bilan hépatique, comme c'est un problème purement hématologique, donc le foie, il est sain, il n'y a aucun problème, donc le bilan hépatique, il est normal. Vous avez vu le bilan de première intention? Très bien, on le fait, on trouve que notre bilan hépatique est tout à fait normal, donc la bilirubine, elle est non conjuguée, cliniquement, les selles sont normalement colorées, les urines, la même chose, normalement colorée. Donc, c'est un problème purement hématologique. On va avoir, après, je vais vous donner rapidement les étiologies puisque vous allez les faire en hémato. Maintenant, ictère à bilirubine conjuguée. Ça veut dire qu'il y a une retention hépatique. Il y a une cholestase. Conjuguée, ça veut dire ictère cholestatique. Retenez, ictère cholestatique. Alors, cholestase, ça veut dire soit une obstruction sur les voies biliaires, soit un arrêt ou la diminution de la production de la bilirubine, c'est-à-dire au niveau de la cellule hépatique. OK? Très bien. C'est pour cela, en fait, lorsque nous avons un ictère cholestatique, on demande l'échographie pour voir l'état des voies biliaires. Et là, si les voies biliaires sont dilatées, c'est une cholestase extra-hépatique. Si les voies biliaires ne sont pas dilatées, c'est un problème intra-hépatique. Soit c'est une obstruction, soit des petits canalicules biliaires, soit c'est une atteinte de l'hépatocyte. OK? Très bien. Donc, je vous ai dit, ictère à bilirubine conjuguée. Conjugué, ça veut dire égal ictère cholestatique. Ça veut dire qu'il y a un problème sur les voies biliaires, soit sur les grosses voies biliaires extra-hépatiques, soit sur les toutes petites voies biliaires intra-hépatiques, c'est-à-dire histologiques. Comment on va faire la différence? Est-ce que c'est extra-hépatique ou c'est intra-hépatique? C'est l'état des voies biliaires, c'est l'échographie. Simplement, une simple échographie, elle va nous donner l'information. Est-ce que les voies biliaires sont dilatées? Est-ce qu'elles ne sont pas dilatées? Si les voies biliaires extra-hépatiques sont dilatées, ça veut dire que c'est une cholestase extra-hépatique. Si les voies biliaires intra-hépatiques ne sont pas dilatées, c'est-à-dire que c'est un problème interlobulaire. C'est à l'étage histologique. OK? Donc, on va voir avec... et bien sûr, la cholestase, là, les selles sont décolorées, les urines sont foncées. Alors, on va commencer par l'ictère à bilirubine libre, que vous allez revoir en hémato, donc très rapidement. Donc, soit il y a un excès de production de la bilirubine en rapport avec un ictère hémolytique, une hémolyse.
Alors, l'hémolyse, soit c'est une hémolyse chronique, soit c'est une hémolyse aiguë. Hémolyse chronique, là, le malade, il est pâle, il a un ictère, il a une splénomégalie. Ça, c'est les anémies hémolytiques. Là, une hémolyse aiguë, c'est-à-dire qu'il y a un médicament toxique, hématotoxique, destruction des globules rouges, là, c'est plus grave. État de choc, douleur lombaire, hémoglobinurie et ictère, c'est après l'ictère qu'il apparaît. Ce n'est pas le premier signe d'ictère, c'est plutôt l'état de choc et les douleurs lombaires. OK? Donc, biologiquement, bien sûr, nous avons une hyperbilirubinémie non conjuguée. Le fer sérique, comme le fer, il est contenu dans les globules rouges, il va être éliminé. Donc, le fer sérique très, très élevé. Les étiologies, soit corpusculaires, soit c'est la cellule, le globule rouge, soit un problème ailleurs. Alors là, je vous donne ça, je n'entre pas dans les détails. D'accord? Donc, corpusculaire, c'est surtout les hémoglobinopathies, drépanocytaire, thalassémie. OK? Donc, ça, les enzymopathies, c'est le déficit en G6PD. D'accord? Extracorpusculaire, et là, le risque d'avoir une anémie aiguë, une hémolyse aiguë, c'est surtout le problème transfusionnel. Soit les médicaments, c'est aussi les erreurs transfusionnelles. OK? Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de causes. Je n'entre pas dans les détails. Ça, c'est l'affaire des hématologues. OK? Très bien. Par toujours, dans l'ictère bilirubine conjuguée, il y a un problème qu'on voit chez nous en gastro, c'est la réduction de la conjugaison, la maladie de Gilbert. La maladie de Gilbert, c'est en rapport avec un déficit partiel, la glucuronyl transférase. D'accord? Très bien. Donc, alors, elle touche des sujets jeunes, à partir de l'adolescent, 20 ans. Beaucoup d'étudiants viennent me voir, elle est asymptomatique, soit elle est asymptomatique, il y a des malades qui sont atteints de la maladie de Gilbert et qui ne savent pas parce qu'elle est asymptomatique, ils n'ont aucun ictère. Chez d'autres malades, ça leur donne des poussées d'ictère nus, ictère seul. C'est-à-dire, il n'y a pas un autre signe, ni douleur, ni rien. D'accord? Un ictère conjonctival. Ce n'est pas un ictère cutanio-muqueux. D'accord? Un ictère modéré, minime. D'accord? Qui perdure quelques jours, puis il disparaît. L'examen, il est tout à fait normal. Et les poussées d'ictère, il y a des facteurs qui déclenchent ça. C'est surtout le jeûne. Le jeûne, c'est-à-dire Siam. D'ailleurs, c'est au cours du ramadan que beaucoup découvrent leur maladie. Alors, l'alcool, l'effort physique, certains antibiotiques, une angine, une grippe peut déclencher une poussée de cet ictère. Okay? Donc, biologiquement, le plus important, il n'y a pas d'hémolyse. Ce n'est pas un problème hématologique. Le bilan hépatique, il est correct. Et si on fait une histologie du foie, tout à fait normal. Okay? Donc, la maladie de Gilbert, c'est des sujets jeunes, découvertes. Soit elle est asymptomatique, soit des poussées d'ictère conjonctivales nues, isolées. Déclenché, on trouve toujours le facteur déclenchant, soit c'est le jeûne, soit c'est l'effort physique, c'est-à-dire qu'ils font pour les jeunes, des lycéens, le fait de faire du sport, ça déclenche. Ou la prise d'alcool, ou toute infection, d'accord? Le temps de l'infection, il a l'ictère, puis il disparaît. Donc, c'est une pathologie bénigne. Donc, diagnostic, l'évolution par poussée, bénigne, il y a le caractère familial, parce que c'est une maladie génétique. Le traitement, aucun traitement, elle ne nécessite aucun traitement, l'essentiel c'est d'éviter le facteur déclenchant. D'accord? Ça, c'est la maladie de Gilbert. On voit beaucoup. Donc, c'est à bilirubine non conjuguée, mais ce n'est pas d'origine purement hématologique. Ça n'a rien à voir avec le sang. Donc, ce n'est pas les hématologues qui la prennent en charge, c'est nous, parce que c'est un problème hépatique. Il y a une réduction, il y a un déficit partiel en l'enzyme, la glucuronyl transférase, qui permet de transformer la bilirubine de non conjuguée à conjuguée. OK? Alors, je vois qu'il y a quelques questions. Alors, hémolyse aiguë, urine, oui, urine rouge, oui, parce qu'il y a l'élimination de l'hémoglobine. Elles peuvent devenir rouges, oui, elles peuvent rouges, exactement. Il n'y a pas de sang, c'est pas riche, c'est pas du sang pur, d'accord, mais elle contient de l'hémoglobinurie, ok. Pourquoi les selles? Parce que ça n'a rien à voir. Les selles sont normales, ça n'a rien à voir, ça n'arrive pas au niveau du foie, parce que c'est indépendant. C'est avant que ça n'arrive au niveau du foie. La fonction du foie, elle est tout à fait normale. La conjugaison, la bilirubine qui arrive au niveau du foie, parce que la capacité, il y a une hémolyse, donc beaucoup de dégradation de globules rouges, beaucoup de production de bilirubine libre. Une partie, elle va être transformée en bilirubine conjuguée, normalement. Mais comme il y a un excès de bilirubine non conjuguée, d'accord? Dépasser le foie va être dépassé.
Mais les selles sont normalement, il n'y a aucun problème sur la. Alors, il y a votre camarade qui vous a répondu. Attendez. Suis en train de lire. Alors, Delel Mehdi. Déjà, j'ai remarqué déjà ce nom. Hyperproduction, donc une partie se conjugue dans la coloration et l'autre s'élimine directement. Très bien, bonne réponse. Tu as mieux répondu que moi. Alors, et dans la maladie de Gilbert, les selles devraient au minimum être décolorées. Non, 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 non. Elles sont normalement colorées. D'accord? Le peu de glucuronyl de transférase qui existe, le peu d'enzymes qui existent, il arrive à faire normalement son travail. Il n'y a aucun problème. Alors, j'ai pas compris par l'écho. C'est quoi cette. C'est pas par l'écho. J'ai pas compris par l'écho. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une question là? Vous reformulez, s'il vous plaît, votre question. Très bien. Alors. Donc, nous avons vu un déficit partiel de l'enzyme. Maintenant, il y a la maladie de Crigler-Najjar, qui est le déficit total, autosomal récessif. Alors là, comme il n'y a plus d'enzymes, donc déjà l'ictère, il apparaît à la naissance. Donc, ça va être une ictère néonatale intense et dangereuse parce qu'il y a un risque d'ictère nucléaire. Parce que la bilirubine non conjuguée, elle est toxique et elle traverse la barrière hémato-encéphalique et elle va faire des dégâts. Donc, c'est pour ça qu'il y a un traitement par le phénobarbital, l'extra-transfusion sanguine, la phototérapie. Il y a beaucoup. Donc, ça, c'est en pédiatrie. On ne les voit pas chez nous. Moi, je ne verrai jamais un Crigler-Najjar type 1. Type 2, c'est-à-dire la réduction. L'activité, elle est réduite. C'est moins que.